Betty a gagné. Mets un manteau. Désolé, Betty, tu peux pas venir. Sois sage. À tout à l'heure. Ça y est, j'ai mis mes gants. J'ai pas mis mon bonnet. Pourquoi Betty peut pas venir? Ferme ton manteau. On fera la revanche quand je reviendrai, d'accord? Les ceintures. Est-ce qu'elle est bien attachée? Évidemment, je sais le faire. C'est bête que Buddy puisse pas venir avec nous. J'ai des places à vendre. Qui veut des places? Place à vendre. Place, place à vendre. Des places, des bonnes places. Des places, j'ai des places à vendre. Le chien est 10 fois plus adroit que ça. Tu veux parler du chien qui vient d'entrer? C'est pas vrai. À l'instant, je comprends pas. Excusez-moi. Sortez-le. Yo, 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 yo. Wow. Oh, il est là. Eh, bravo, bravo. Ouais. C'est ça que tu veux? Un tir en suspension exceptionnel. Merci, Monsieur Bud. On peut faire une photo, s'il vous plaît? Hey Tom, tu veux bien venir avec moi? Il faut que j'amène Buddy chez le véto demain.
Compte sur moi, je suis ton homme. Bonjour, jeunes gens. Bonjour Miss Salter. Hey, tu sais ce qui est le plus sympa quand on est en quatrième? Non, quoi? C'est que les filles deviennent des femmes. Hey, salut ma jolie. Elles sont tellement bluffées qu'elles restent sans voix. Ouais, sûrement. Hey, tu imagines dans quel état elles seront quand elles me verront en footballeur? En footballeur? Pourquoi elles te verront en footballeur? Les femmes sont folles des footballeurs. Et j'ai l'intention d'entrer dans l'équipe. Tu rigoles ou quoi? Non, vise un peu. J'ai bossé tout l'été pour avoir ça. Ouais. Quoi qu'il en soit, tu peux pas faire de football puisque t'es déjà basketteur. Arrête, regarde Darian Sanders, il est bien dans deux sports. Josh, il nous regarde de façon bizarre. Et alors? Tu sais que Buddy déteste le béton. Buddy Frame. Allez, viens. N'aie pas peur. Viens. Allez, Buddy. Il a l'air d'avoir la trouille. Où est le docteur Ragland? Oh, il a pris une année sabbatique. Je le remplace, je suis Patrick Sullivan. Bonjour, Josh, et lui, c'est Buddy. Salut, Buddy. Viens ici, je te regarde. Ah, c'est vraiment un beau chien. Et gentil en plus. Allez, on monte sur la table. Allez, vas-y, Buddy. Il n'aime pas venir ici, il faut l'aider pour monter. Allez, monte. Bien. Eh ben. Oui. Mais oui, t'es un beau chien. Qu'est-ce que vous lui faites? Je regarde seulement si tout va bien. La colonne vertébrale est en bel état. Il n'a pas de hernie discale. Belle tonicité des muscles. Il serait capable de courir un marathon. Ou bien de faire du basket. Ah oui, du basket. L'idée est bonne. Bien, il ne reste plus qu'à faire son rappel de vaccin. Bah alors, il va falloir l'attacher. Il a trop la trouille des aiguilles. Rassurez-vous, il n'ira nulle part. Hein? Très bien, si vous le dites. C'est rien, tu vas voir. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tout va bien. Non, il faut essayer encore. Bonjour les enfants et bienvenue chez Natalia, le merveilleux, le surprenant cirque d'animaux savants. Fais-moi voir les sous, fais-moi voir les sous. Non, encore une fois. Bonjour les enfants et bienvenue c'est chez Natalia. C'est moi, mon rossignol préféré. Ah, fais-moi voir les sous, fais-moi voir les sous. Idiot. Mais combien de fois je t'ai déjà dit de ne jamais m'interrompre quand je travaille? Désolée, Natalia. Et cet endroit pue le poisson. C'est tout ce qu'on pouvait s'offrir. Mais regarde, je t'ai amené le très surprenant Mortimer. Aha. Il a quoi de très surprenant? Regarde! Alors, on repart en Russie cette fois? Non, mon spectacle n'est pas complet. Je veux une véritable attraction. On vient encore de nous signaler la disparition d'un nouvel animal. Il s'agit cette fois d'un chimpanzé qui a été volé à un particulier dans la ville de Seattle. La police se prend l'affaire au sérieux. Et passons à présent à des images. Alors, qui vous étonneront. Nous ne serons jamais le cirque numéro un de la Russie. Tu sais pourquoi? Parce que nos animaux ne valent rien. Rien. Nous devons trouver la créature exceptionnelle. Ce qui a laissé perplexe tous les joueurs. Voici ces quelques images insolites. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Il est beau! Qu'est-ce que tu en dis, Mortimer? Nous avons trouvé notre exceptionnelle attraction! À manger, oui. Je vais me faire un petit sandwich. Oui, d'accord.
Au revoir. Tu as faim? Une faim de loup. Dis-moi, c'était qui au téléphone? C'était... quelqu'un du boulot. Herb. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir si j'avais envie d'aller au cinéma avec lui. C'est un rencard. Est-ce que cela t'ennuierait si c'était le cas? Non. Je m'en fiche. Vas-y à ton rendez-vous. La mayonnaise. Hey, qu'est-ce que t'as fait, Buddy? Alors? Vous êtes Herb. Moi, c'est Josh. C'est... Herbert. Tu sais si? Oh. Oh. Vous avez un... chat? Non, mais j'ai un chien. Viens ici, Buddy. Allez, viens, mon chien. Bye, Herbert. Où est Herbert? Eh bien, il a eu une urgence, alors. Il a laissé ça pour toi. Viens, mon chien. Alors, vous êtes Richard? Oui, je travaille avec ta mère. Quelle surprise! J'ai dû me tromper de maison. J'attendais Jackie Frame, pas Cindy Crawford. J'en sais rien. Il ne s'agit pas que de moi, je t'assure. Je pense surtout à Josh et à Andrea. Ou bien peut-être qu'il est encore trop tôt pour rencontrer quelqu'un. À ton avis, c'est trop tôt? Je n'ai peut-être plus envie de tomber amoureuse. Non, Buddy, pas la passerelle! Buddy! Buddy! On ne va pas un peu trop vite? Maman? Oh, salut, mes chéris. Alors, dis-moi, il compte t'amener dîner où? J'en sais rien. Il me fait une surprise. C'est bien. Et à quelle heure il passe te prendre? Eh bien... quelle heure es-tu devenue la mère et moi l'enfant? Oh, excuse-moi. Josh, pas de cirque. Bonsoir. Bonsoir. Oh, oh, vous êtes superbe. Vous êtes un peu froissée. Oh oui, j'ai oublié mon fer à San Diego. Votre fer, c'est mieux que d'avoir oublié sa tête, hein. Hey, salut, Buddy. Salut, Andrea. Oh, oh là. Salut, Patrick. Ça va, Josh? Bonsoir, docteur Sullivan. J'ai appris que tu étais sportif. Tiens, je t'ai amené ça. Oh. Quand j'ai commencé à jouer, j'avais ton âge. C'est gentil. T'as jamais joué? Non, pour l'instant, je fais surtout du basketball. Merci, c'est gentil.
Bien, je crois qu'on devrait y aller. Josh, pas de télé après 9h. Et j'ai noté le numéro de Madame Klumsky's derrière le... Je sais, maman. D'accord, d'accord. Soyez sage, alors. Bisous, mes chéris. Content de t'avoir revu, Josh. Je suis content aussi, docteur. Josh, tu as laissé le garage ouvert. Oh, j'y vais. Un crash qui a coûté la vie à un pilote d'essai. Allez, on sort de là. Viens. Tu restes dehors? D'accord. Ici. Je t'avais dit de prendre un camion discret, pas un qui chante. Il n'était pas trop cher. Et tu peux, si tu as envie, manger les glaces. Ils ont déjà eu 4 rendez-vous. Tu sais ce qui se passe après 4 rendez-vous? Non, quoi? Le répertoire. Le répertoire? Ouais. Si son numéro est programmé dans le répertoire de ton téléphone, t'es bon pour le mariage. Quand les chiens approchent, attrape-le avec filet. Oh oui, j'attrape avec filet. Ça va être du gâteau. Et s'il te fait un cadeau, mon vieux? C'est qu'il veut t'amadouer. M'amadouer? Pourquoi? Que tu dises papa. Joli. Regarde si ta mère l'a mis en mémoire. Hey Josh, ton lancer est superbe. J'ai pas l'intention d'en faire, Tom. Société Flanfield, à qui souhaitez-vous parler? Oh, désolé, une erreur de numéro. À ta place, je réfléchirai quand même. Non! Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd! Attention, tu vas te blesser. Maman, ouais, je peux aider à faire le casque moi aussi? Merci, ma chérie Isabelle. Allô? Oh, désolé, grand-mère, je me suis trompée de numéro, c'est Josh. Je t'embrasse, au revoir. Je t'embrasse, chérie. Maintenant, il vient tous les après-midi. Tu sais que football, l'entraînement a lieu tous les après-midi? Fais attention. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles, regarde comme il l'aide. Je veux que tu te sentes une fraise. Très mauvais, c'est encore pire que le répertoire, vieux. Bonjour, vous êtes chez Patrick. Laissez-moi un message après le bip. C'est quand le prochain entraînement?
c'est gagné. Allez-y, faut pas hésiter. Servez-vous de vos mains. Tape des mains, tape des pieds. Je suis sûr de vous. C'est bon là, allez-y, plus puissant. Utilisez vos mains, servez-vous de vos mains, comme ça, ouais. C'est le loose ballon. Bon, on fait un break. Allez, j'avais dit des jambes, des jambes. Montez genoux, rapide, ouais. Une seconde, excusez-nous, monsieur Fanelli. Ouais. Je suis Tom et lui c'est Josh. Salut. On voulait savoir si vous n'aviez pas besoin de deux joueurs dans l'équipe. J'ai toujours besoin de joueurs dans mon équipe. Quelles sont vos places sur le terrain? Moi je suis récepteur. Receveur. Ouais. Et toi? Moi je suis n'importe, je peux... Lui il joue à l'arrière. C'est un lanceur exceptionnel. Ah oui? Fais voir. Et toi? Tiens. Toi, mets ça et va au bout. Vas-y, entre les poteaux. Et on va voir. Voilà, tu lances le ballon. Plus loin? Ça va, c'est bon. Monsieur le récepteur est à la hauteur de l'équipe. Ouais. Joli. Et à l'arrière, j'ai besoin d'un remplaçant. Et le remplaçant, il fait quoi? Tu vas remplacer Cole Powers, c'est lui. Le meilleur stratège de la ligne. Je te préviens, tu joueras pas souvent. Oh, ça ira. T'es décidé? Mes entraînements, c'est pas de la rigolade, on est bien d'accord? Bah ouais, je crois que je vais essayer. Alors c'est parti, tu cours à fond autour du terrain. Vas-y. Tout de suite? Ouais, allez, vas-y, plus vite. Allez, à fond, à fond. Allonge, allonge. Bien, 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 encore, encore, ouais. La succession de disparitions d'animaux laisse la police perplexe. Tu veux encore du thé, Buddy? Salut. Qu'est-ce qu'il a? Il est sale. D'accord. Ça va aller. Oh. 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 Tu fais du football maintenant? Oui. Oui, j'adore le football. Depuis quand? Depuis... Depuis que j'ai parlé à... Je vais... Laver ça, si tu permets. Si tu veux. Descends-moi le reste aussi. Si tu veux. Non, pas maintenant. Ma tête va éclater. Oh. Ça va jamais marcher, Tom, je le sens. Les médecins qui se baladent, c'est comme les marins. Ils ont une femme dans chaque port. Écoute, une fois qu'on est là-dedans, on fouille, t'es d'accord? De toute façon... Qu'est-ce qui lui arrive? C'est sa patte. La patte ou la queue? Sa queue. Vous savez, nous, on sait pas ce qu'il a. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il a du mal à remuer la queue. Oui, c'est ça. Il arrive plus à la remuer. À la remuer? Oui, je sais pas ce qui se passe. Il y arrive pas. Exactement. Ouais. Oh, vous voyez, Tom et moi, on voulait vous le dire. Il peut la remuer que lorsqu'il est allongé. Et puis, Impossible quand il est sur ses pattes. Bien, il semble aller parfaitement.
Mais si cela peut vous tranquilliser tous les deux, nous allons lui faire passer une radio. Ah, oh, bonne idée. Génial. Allez, Buddy. Je reviens tout de suite. Merci. Ouais. Tom, je suis pas tellement d'accord. Qu'est-ce que tu cherches au juste ? Certaines choses qui vont démontrer que ce gars est un coureur de jupons. Voilà. Arrête, Tom. Il va nous tomber dessus. C'est complètement nul de faire ce genre de choses. Attends, attends. Regarde un peu. Regarde un peu. Regarde. Regarde-moi ça. J'ai trouvé. Allez, viens, Buddy. Eh bien, voilà. Tout semble aller pour le mieux. Oh, je suis rassuré. Tant mieux. Merci. Allez bien, Buddy. Merci, Dr. Sullivan. Patrick, tu peux m'appeler Patrick. Patrick. Ouais, merci. Joue au football? C'est incroyable! Vas-y, mon vieux, vas-y! Allez, Buddy! Allez, apporte! Hé, hey, Buddy! Lâche-moi! Buddy! Bravo! Rapport! Allez, apporte! Hey! Donne-le! Donne! Tu veux pas me le donner? Tiens, mon vieux, mange. Je vais être en retard pour mon premier match. Je sais que t'aimerais jouer aussi. Sois sage. À tout à l'heure. J'ai été entraîneur bénévole pendant 14 ans. J'ai vraiment piqué une colère. Tu peux me croire, Jimmy. Mais le conseil d'administration refuse de céder. Ils étaient là à pleurnicher qu'il n'y avait eu aucun résultat positif depuis près de 10 ans. La fréquentation est très en baisse et le programme football revient cher. Mais gagner n'est pas le but de la pratique du sport en général. Je sais. Le conseil d'administration m'a laissé le choix. À la fin de la saison, j'arrête le programme football ou bien... Mais c'est pas du tout la solution. Ou c'est toi qui quittes l'école. Je suis vraiment désolée, mais j'ai les mains liées.
Tiens, c'est ton maillot. Le mien est là-bas. Oui, Beb. T'as oublié quelque chose? Oh, merci, Goose. De rien. La tronche. On dirait que t'as vu un fantôme. T'as des crampes d'estomac ou quoi? Pourquoi j'en aurais? Je suis sur le banc de touche. Hé, hey, les gars, c'est OK pour vous? C'est parfait, alors on va y aller, on va gagner pour l'équipe! Ouais! Ouais! Ouais, 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 on va gagner! Ouais. C'est parti pour la fête! Essayer, on s'accroche. Ouais. T'as raison, Tom. Allez, on y va. Oui, j'arrive, monsieur. Bienvenue et merci à vous d'être présents pour l'ouverture de la saison de football du collège Fernfield. Ouais! Allez, les petits, on peut les avoir! Revenez sur l'arrière et percutez! Allez-y, allez-y! Je suis sûr qu'on va gagner! N'hésite pas! Et la victoire est là! Tu finis en ça! Et la victoire est là! Très bien. Et rappelle-toi, on va dans la cour derrière. On attrape les chiens et on s'en va vite fait, bien pris. Vite fait, bien fait. Je voudrais une glace à la vanille. Et ma soeur, elle veut une glace au citron. Je n'ai pas de glace au citron, mais si tu veux, j'ai de gros esquimaux avec des morceaux de noisettes. Il n'y a pas d'esquimaux. Allez-vous-en. Sors le filet. J'entends un bruit. Suivons-le. Allez, allez, on s'endort pas, on y va. Allez les petits gars, ouais. Oui, Tom, oui, Tom, oui, oui, Tom, vas-y. Je suis ça va être une longue saison. Oh, regarde, il va nous semer. Plus vite. Hey, hey, ouais, génial. Il arrive à 30. Ouais, goal, ouais, mon petit. Ouais. Vas-y. On va la voir! Oh, j'en ai plus qu'à casser des gens, des gosses, des chiens! Pour entrer comme dans un moulin! J'en ai assez de voir tous ces gens traverser ma cour et courir dans mon jardin! Oh là là, il se sent mon corps! Ça suffit! Et voilà, je suis! Collection! Moulin du petit ballon! Il court! Il a passé les 30 gars! Oh non, Colette, au sol! Nate, Michael, suivez-moi! Ça va, allez! Eh, vas-y, Colette, relève-toi! Allez! Allez! Mon Dieu, qu'on est blessé! Les premiers soins, vite! Ça va aller, vieux! Est-ce que ça va? Ça va, mec? Ça va aller, ça va aller! Je crois qu'il y a mal, laissez-le un peu, là! Ça va aller, Cole! Mets ton bras, là!
va? Hé, hey Mike, amène-le à l'infirmerie. Ne fais pas de soucis, on va s'occuper de toi. Aide-le, ça va aller. Et pas worse, c'est une épaule démise. Pudge! Monsieur, alors il peut pas rejouer? J'ai bien peur que non, Josh. Écoute, je suis certain que tu te débrouilleras. Allez, vas-y, un peu de nerf, pas de problème. Commence par la B-52. On vient de perdre la seule chance qu'on avait de gagner. Avec un peu de temps, il se débrouillera. Hé, hey, Josh est rentré! Il semblerait que Josh Prime, le numéro 8, rentre en remplacement de notre joueur blessé. Bonne chance, Josh! Bon alors, c'est quoi la combinaison, Josh? Excellente question. On va se faire bouffer. Démoralise pas. Très bien. B-52. Gagnant! Ouais! Tom, c'est quoi la B-52? Attaque dispersée, le receveur au fond. Alors? Prêt? B-52! On y va! Hé, hey Josh, ta place. Oh. Prêt? B-52! Prêt? On y va! Il est démarqué! Il est démarqué! La passe! Je suis seul! Prenez-vous, plaqué! Allez, la défense! Allez-y! Allez, la défense! C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Fais leur voir ce qu'on sait faire à ces guignols. Je suis sûr qu'on va gagner! T'es le meilleur, Josh! Si je dis on y va, tu réponds qu'on va! Si je dis on y va, tu réponds qu'on va! Tape tes mains, tape tes pieds, je suis sûr qu'on va gagner! On repart avec la B-52 et cette fois, je suis sûr que ça va marcher. Prêt? Break. B-52! Attention! Prêt? C'est parti! Il est démarqué! Il est démarqué! Josh, vas-y, non! Il y a un chien sur le terrain et il joue beaucoup mieux que les trois autres. Alors, c'est lui le célèbre Air Bud, hein? C'est un chien étonnant, et il tient la forme. Il me rappelle un peu Fred Biletnikoff, sauf que lui est plus beau que Fred. Est-ce que ça va? Tu sais, t'es un excellent lanceur. Je t'assure, c'est vrai, mais c'est comme si tu jouais à contre-cœur. Le football, c'est avant tout un jeu. Et c'est la chose la plus importante, Josh. Allez, j'y vais. Pense à ce que je te dis. Salut, toi. Oui, mon cher. Je sais que tu voudrais faire partie de l'équipe. Mais c'est interdit. Le football n'a aucun rapport avec le basket. C'est plus dangereux. Tu pourrais te blesser. Et je veux pas que tu te blesses. Puis il y a tout un équipement et un casque. Je sais que c'est pas juste. Thank you.
C'est bientôt fini. Parfait. Ouais. Viens ici. Essaie-moi ça. Oh. Allons, allons, les enfants, on se calme. On s'entend plus, là, c'est pas la récré. On a beaucoup de choses à travailler. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau receveur pour vous. Est-ce que c'est censé être une blague? Ben non, comme vous l'avez dit, il y a toujours de la place pour d'autres joueurs dans l'équipe. J'ai jamais vu un chien jouer au football. Il joue pas non plus au basketball, en général. On va être l'équipe la plus ridicule de la Ligue. Ça fait une dizaine d'années qu'on est ridicule, de toute façon. Très bien, les enfants, taisez-vous un peu. Oh, taisez-vous, là, on s'entend plus. C'est bien comme ça. Ouais. Pourquoi tu fais ça, Josh? Parce que j'ai décidé de m'amuser. C'est le but du foot. Très bien. Voyons ce que ce petit toutou sait faire. Ok, c'est parti! Hop, descends et toi aussi, Juan, descends. Pose pas les genoux au sol, Webel. Et un... C'est exactement ce qu'il faut faire, vieux. Chose, mes enfants. C'est vrai que c'est un chien d'arrêt, mais c'est surtout un arrêteur de balle. Viens nous voir. Saluez votre nouveau coéquipier. Il a tiré de la liberté. Le foyer. Confiance en vous et laissez pas me lire, allez. Ok, ouais, c'est parti. Alors, vous... pas trop de trac. Je sens qu'on va leur fiche une raclée aujourd'hui, j'en suis sûr. 2, 4, 6, 8. Dis donc, qu'est-ce qui te rend aussi confiant? C'est depuis que j'ai ce pansement sur le nez qui m'aide à respirer. Et en plus, il est signé Jerry Rice. Allez, faut pas hésiter! Tu dois pas le lâcher! Ouais, d'accord! Je veux plus voir un maillot vert debout! Allez-y, foncez! Ouais! Alors, Josh, tu sais ce que tu dois faire? Hé, hey, Buddy, tu fais comme à l'entraînement. Ouh. Allez, viens! À vous, les filles! Les couleurs que l'on adore, c'est le bleu et l'or! Les couleurs que l'on adore, c'est le bleu! Oh, là, j'avais vu ça, un chien sur un terrain de foot! Eh mais sortez-le! Mais sortez ce chat du terrain du jeu, enfin! Sortez-le, là! Très bien, les gars. La B52. Vous avez oublié votre poule! B! C'est quoi, ce truc? 52! Attention, les gars! C'est parti! On fait le 48 rouge. Mais attrapez-le, le chien! Quoi? C'est pas vrai! Oh,
On essaye le G28, d'accord? Prêt? Break! Attention, prêt? C'est parti! Est-ce qu'il y en a un dans cette équipe qui sache jouer au football? Lâchez pas! Attrapez-le! Coupez-lui la course! Chopez-le! Faites-lui un croche-patte! Lâchez pas le chien! Allez, mettez le paquet sur lui! Tous sur le chien, le paquet! Ouais, Buddy! Allez, allez-vous-en! Dégagez! Allez, attends, toi! Allez, tirez-vous! Oh. Dégage! Poussez-vous! Quel chien génial! Tu te débrouilles rudement bien aussi, Josh. Mais il faudrait que tu fasses attention à ne pas partir prématurément sur l'action. J'ai trouvé ça dans votre agenda. Qui est-ce? Eh bien, voici Laura. Elle vit à Seattle. Et voilà Gail, elle vit à Santa Fe. Et cette jolie petite fille rousse est Shannon Marie. Elle vit à Boston. Et ceci est la photo de tout le clan Sullivan. Tu vois, il y a mon père, ma mère et... Vos trois sœurs. Je crois, Josh, qu'on pourrait bien s'entendre. Mais il faut que nous ayons confiance l'un dans l'autre. La queue cassée. Je suis un imbécile. Ah, moi, je trouve ça très romantique. Ah, si je n'avais pas eu à réparer le moteur... Non, 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 c'est très bien, c'est parfait. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, je viens d'avoir une offre. Un poste définitif à San Diego. Mais je ne sais pas si je vais accepter. Écoute, je ne veux pas te compliquer la vie, Patrick. Mais je le ferai si tu insistes. Ton fils serait sûrement très content si je partais. J'en ai l'impression, en tout cas. Écoute, au lieu de ne voir que tes chats et tes chiens, à partir de maintenant, essaie d'être son ami. Donnez vos mains, vous jouez comment? Crac, crac, crac! Vous jouez comment? Comme des cracks! Allez gagner! Ouais! Ont lâché leur arme secrète. Prêt ? Attention ! C'est parti ! Ouais ! Ouais ! Vous traversez le terrain par l'extérieur, tandis que Buddy fonce directement du centre vers le fond.
Il faut que vous sachiez que la K9 va les achever. Arrête. Parce que c'est la plus dure de toutes. Et après cela, nous aurons... Hey! Écoute, je suis un peu le jeu, tu veux? Bon, ouais. Les Timberwolves dans le peloton de tête. Les Timberwolves avancent vers la finale. Ouais! Et quand Josh a fait cette longue passe à Buddy pour qu'il marque le but, j'ai cru que j'allais faire une attaque. Oh, le football est dangereux. Oui. J'ai pris une décision à propos de ce travail, celui de San Diego. Tu as accepté. J'accepte si toi tu refuses ceci. Jackie, veux-tu m'épouser? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai fait un gâteau. La forme du ballon, c'est rigolo, non? C'est quoi cette boîte? Je peux entrer? S'il te plaît, Josh. Buddy, tu viens pas. T'as pas compris, tu restes là. C'est la maman de Josh. Il n'est pas à la maison. Est-ce qu'il est avec toi? Non, il n'est pas chez Tom. Je vais essayer chez Fanelli. Tout ça est ma faute. Le train numéro 14 en provenance de Portland aura un retard de 20 minutes. Il arrivera qu'à numéro 2.
Le train 14 en provenance de Portland, quai numéro 2, 20 minutes en retard. Je préfère de toute façon prendre le train à cette heure-là, sauf quand il est en retard. Tu sais pourquoi je déteste ce qu'on vend dans les gares? Parce que les sandwichs italiens, ils ont d'italien que le nom. Ah, salut, monsieur Fanelli. Salut, comment ça va, petit? Tu me prêtes un bout de ton banc? Bien sûr. Comment vous saviez que j'étais là? Ah, me suis sauvé plus d'une fois quand j'avais ton âge. Général, je n'ai pas plus loin qu'ici. Je quitte la ville. Et où tu vas? San Francisco. Si mon meilleur lanceur décide de laisser tomber l'équipe juste au moment des matchs interchampions, je suppose qu'il a de très sérieuses raisons. Tu veux qu'on en parle? Non. Ça t'ennuie qu'il y ait un nouvel homme dans la vie de ta mère, c'est pas vrai? C'est ça, hein? Il n'est pas mon père. Ah, ça, j'avais deviné. Et t'aimais beaucoup ton père, j'en suis sûr. Alors, tu comptes faire quoi après le football? Je vous rappelle que je quitte la ville. Oui, je sais. Non, mais je veux dire, en théorie, si tu t'en allais pas, qu'est-ce que tu pensais faire? J'en sais rien. Je reprendrai le basketball ou autre chose. Bah, tu sais, quand on a goûté au football, le basket, on laisse tomber. J'ai jamais dit que je laissais tomber. J'aime le basketball et j'aime aussi le football, c'est tout. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Est-ce que tu aimes ce Patrick, Josh? Ça veut pas dire que tu vas cesser d'aimer ton père, tu sais. Et pour ta mère, c'est pareil. Le train numéro 9 à destination de San Francisco entrera en gare dans 5 minutes. C'est le mien. Eh ben, c'est le moment de nous dire au revoir, Josh. Bonne chance, vieux. Je vous ai entendu discuter avec Miss Salter. Elle disait qu'ils avaient l'intention de changer d'entraîneur. Je suis désolé. Oh, c'est pas grave. Je faisais ça parce que j'aime les enfants. Tout ce qu'ils veulent au conseil, c'est gagner. Je suis pas le gars qu'il leur faut. Prends bien soin de toi, petit. Monsieur Fanelli. Si ça pose pas trop de problèmes, est-ce que je peux aller chez vous? Bien sûr. Amène-toi. Ça te gêne pas si on s'arrête d'acheter des pizzas? Promets-moi de ne jamais refaire ça, Josh. Promets-le-moi. Je te le promets. Pardon. Pardon. Oui, Patrick, il faut que je lui parle. Patrick a décidé de s'en aller. Où est-ce qu'il est parti? Il a accepté le poste à San Diego. Il part avec son bateau demain. Et pour vous deux, alors? C'était trop tôt. C'est ma faute. Je suis désolée. Où est Buddy? Je croyais qu'il était avec toi. Buddy! Buddy! C'est la première fois qu'il fait ça. Il s'est jamais sauvé. Buddy est capable de se débrouiller tout seul. Buddy! On aurait dû le surveiller. Josh, ton match commence dans une heure. Ah!
vous allez jouer. Crac, on va aller les abattir. Ouais. Allez les gars, on y croit. Battez-vous. Goal, allez. C'est le moment. Allez, allez. J'ai besoin de toi sur le terrain, Josh. Embarquer. Toi, pendant ce temps, tu touches rien, tu donnes pas de nourriture, tu fais rien de tout. Rien. Rien. Phil, 35 années de bons et loyaux services auprès de vous, chers auditeurs, pour vous rapporter des détails. Aujourd'hui, l'excitation est à son comble dans les tribunes et ailleurs. Venez par là. Allez, allez, donnez vos mains. Nous venons tout juste d'apprendre que Air Bud, ce chien extraordinaire, ne sera pas là pour jouer aujourd'hui. Non, il ne vient pas jouer aujourd'hui. Est-ce qu'on est allé le chercher dans sa niche? Prêt à shooter? Vas-y, mon vieux, tu peux le faire! Ouais! Rien, Natalia chérie. Les Giants ont envoyé le ballon dans le camp des Timberwolves qui... qui sont là, juste là, sur le terrain, bien sûr. Vont le réceptionner. C'est exact. Et c'est Goose qui récupère le ballon. Il est à 5, il est à 10. Et à 15, il était à 15, il est à 10, il est revenu à 5. Oh. C'est rien, on revient à la défense. Vous n'êtes pas là pour dormir. Josh, c'est bien en place la 45, allez. Confiance, la 45, Josh. Il va venir. Il aurait pas raté ce match pour un os de mammouth. J'espère que t'as raison. T'inquiète pas. Tu vas bouffer la poussière. Prêt ? Josh, attention ! Est en c'est parti ! Les Giants ont raté ce ballon. Josh essaye de passer la défense des Giants. Et finalement, ce ballon est récupéré par les Giants. Et les Giants viennent encore de marquer. C'est une journée difficile pour les Bleus. On est mort, on est mort. Je ne vous le fais pas dire. Eh bien, regardons le tableau d'affichage pour voir combien de temps s'est écoulé depuis le début de la rencontre. Ah oui, mais où se trouve le tableau? Arrêtez, s'il vous plaît, Piggy. Aide-moi. J'adore les canards. Revenez, s'il vous plaît. Non. Revenez, non. Écoutez-moi. Écoutez-moi, mes petits. Retournez dans vos cages. Je vous en prie. Natalia. Tout est prêt.
semblerait que l'entraîneur des Bleus soit déterminé à faire marquer quelques points par son équipe. Attention, c'est parti. Il a donc décidé de jouer le drop. Oh là là. Non, le ballon heurte le casque de Weeble et rebondit vers la partie gauche. Je crois que ça n'était pas une bonne idée. Qu'en pensez-vous, Phil? Mais c'est sûr, ça risque de lui filer un sacré mal de crâne. Ouais, quand ça vous tient là, ça vous... Où est-il, papa? Oh, mon pauvre Derrière! Aide-moi à te trouver, et puis je t'aiderai. Toi, je vais t'appuyer. Josh passe le ballon derrière. Il est intercepté par le receveur des Giants et les Giants reviennent de l'autre côté. Non, Josh essaye de l'arrêter aux 25 yards. Il l'arrête. À 20, à 15, à 10. Peine perdue. Bien, il semblerait que le score des Giants a encore augmenté. On garde. Tiens, prends ça. Et prends ça. Natalia, avec ça, je le filais. Non, papa, non, tu ne vois pas que je me bats contre ce singe. Natalia, il faut que je l'attrape. Je vais l'attraper, oui. Natalia. Non. Descends, immédiatement. Aide-moi. Descends. Je te dis de descendre de là et de nettoyer tout ce désordre. Popov? L'entraîneur Fanelli va avoir fort à faire pour remotiver ses joueurs dans les vestiaires. 24 à 0. Et à présent, nous allons profiter de la mi-temps pour apprécier ce merveilleux spectacle. Admirez les manœuvres et les fanfares. Eh, monsieur, vous allez encore nous raconter une histoire? Vaut mieux la croire, celle-ci. Voici l'histoire d'une équipe de football. Dès le départ, cette équipe s'était montrée passionnée et batailleuse. Mais il y avait un gros problème. Les joueurs ne croyaient pas qu'ils pouvaient gagner. Et le chien est arrivé. Et ce chien a réalisé des choses étonnantes. Et soudain, l'équipe a commencé à gagner. Mais la vérité, c'est que... même sans le chien, ils auraient gagné. Chacun d'eux était un battant. Alors, si vous avez cru qu'un chien était capable de faire du football, eh bien, vous pouvez croire que vous allez gagner la finale. Et à présent, les enfants, vous allez retourner sur le terrain et je suis prêt à parier que vous allez les écraser. Dur. Vous êtes les meilleurs. Allez, montrez qui vous êtes. Ça va marcher, Pudge. Timberwolves. Les Giants sont de nouveau passés à l'attaque. Martin fait une passe à l'arrière. Il cherche trop tard, il est plaqué au moment où il faisait sa passe. Goose bloque ce ballon, super, interception. Goose, ouais, cours. Cours, Goose. On dirait que les Timberwolves ont retrouvé l'inspiration. Ça renforce ma théorie. Quelle est-elle, Phil? Ils vont marquer plus de points que l'autre équipe et par conséquent, ils ont des chances de gagner. Bien. Hein? Budge. Reste d'accord, allez, cours.
génial. Popov. Ah, maman. Oh, nos petites bêtes. Qu'est-ce que le singe est en train de faire? Des déchets de poisson. Pour le meilleur et pour le pire. Sauvons-nous! Vite, vite, dehors! J'en sais rien, mais il y a le chien. Le chien! Enlève le pare-brise, on voit rien. Là! Par là! Là! Les voilà! Il est là! Attends-toi, tout va voir. Wow, Dora! Salut, petit chien! Alors? Oh, arrête-toi! Arrête! Oh. Arrête, camion! Oh. Non. Oh. Le camion! Freine! Stop! Ouais, ça va. Ça va, oui. Moi aussi, je suis content. Qu'est-ce que tu fais sur les docks? Tu ne devrais pas être au match? Hein? Suis-moi. Oh, c'est pour nous. Est-ce que tu as un autre plan de bataille? Nous sommes citoyens russes. Nous demandons à être amenés à ambassade russe. À ambassade, imbécile! Martin Segal, Wolf Pipe, une longue passe. Pas un seul Timberwolves à moins de 20 mètres. Touchdown, ça va très mal pour les Timberwolves. Oh. Eh bien, on ne s'occupe pas de ce qui vient de se passer. Josh, viens par ici. Viens. Écoutez, nous allons leur faire un double trouble. Compris? On y va. Mais, monsieur, on n'a jamais fait un double trouble sans Buddy. Eh ben, on le fera sans Buddy. Buddy n'est pas ici. Allez, faites-le avec Goose. Allez, hop, du nerf. Allez, on attaque! Salut mon vieux, salut. Ouais, on va leur faire voir. Bien, Herbert entre sur le terrain. Oui, cela va dissiper toutes les rumeurs. Ah oui, lesquelles? Lesquelles quoi? Buddy, t'étais où? Patrick? Trouble. Il s'est placé, guettant le ballon.
65 saisit le ballon. Une passe au 15. Passe à Herbert qui change d'aile. Et puis dans le camp des Giants qui tentent de l'arrêter. Herbert est démarqué. Herbert est à 30. Herbert est à 20. À 10. À 5, il y est. Yeah! Le public se déchaîne. C'est vraiment très étonnant. Une nouvelle façon de se réjouir de la victoire avec Herbert. Il leur a donné des puces, je suis sûr qu'ils ont des puces. Hey, Bunny! Bunny! Herbert a bien remonté le score pour les Timberwolves, mais cela n'est pas encore gagné. C'est peut-être maintenant. Oh! Bunny! Non, il vient de se faire plaquer par les 92 kilos de Tyler. Herbert est tout seul. Les joueurs de son équipe sont en arrière. Laissez-le respirer. Vers Herbert, il y a du mouvement. Ça va, moi, ça va. Occupez-vous du chien. Excusez-moi. Laissez-moi passer. C'est bon. Comment va-t-il? Je ne sais pas. Est-ce que ça va? Laisse-moi faire, Bud. On ne sait pas encore. Il n'a rien de cassé, Josh. Vous pouvez aller terminer votre match. Oui, mais pour Buddy. T'inquiète pas. Je m'occupe de lui. Du courage, Buddy. Lève-toi. Allez, viens, Josh. On arrive. Josh, faut y aller. Viens. Voici une nouvelle écrasante. Le pauvre Herbert ne reprendra pas le match. Oh, mais je veux Il va falloir que les Timberwolves finissent à présent ce match sans lui. Bref! Attention! C'est parti! Plaquage redoutable. Qu'en pensez-vous, Phil? Eh bien, voyez-vous, je... Les Timberwolves sont en place. Je pense une passe les arrange. Oh, les rats! Il pourrait se produire un miracle. Il serait bon qu'il se produise vite pour les Timberwolves. Car il ne reste que 10 secondes avant la fin de ce match. 10 secondes, c'est amplement suffisant. Si vous jouez les bonnes cartes. Oui, c'est sûr, Phil. Je pense que vous devriez plus souvent jouer aux cartes. Oui. Allez, Tom, relève-toi. On a un match à gagner. Mais je retrouve plus mon pansement. Laisse tomber ton pansement, Tom. Mais je vais rater toutes les balles sans ça. Tu peux me croire, Tom. Allez, t'as pas besoin de ça. Ça va marcher. C'est notre dernière chance, Josh. Je le sais bien. Du nerf, les gars, la B-52. On croise le terrain. Jusqu'au bout. Ça fait 60 yards. On fera pas 60 yards. T'es sûr que tu veux la B-52? J'en suis persuadé. Faites-moi confiance. On est avec toi, Josh. Faut y croire. Très bien, vous êtes prêts? Break! On gagne. Hé, hey, les gars, regardez. Allez, on y va, on y va. Mais j'ai pas mon pansement sur le nez. Thank you.
Attention, c'est parti. Troisième et trois, qu'est-ce que tu ferais? Laisse-moi réfléchir. Je ferai une longue passe à Galloway. Bleu 38. Bonne idée. Ils vont être surpris. Oh,
Oh non. Oh, c'est pas croyable. Sure.